Donnez-moi une seconde. Coucou, 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 coucou à tous. Merci, merci, merci d'être connectés avec moi ce soir. C'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes baillements. On va zailler un tout petit peu.
On va faire des cassements de papeau. On va démontrer encore par A plus B que le Mali est un pays qui sait ce qu'il veut. On va démontrer encore par A plus B que malgré les menaces, malgré les intimidations, malgré le fait qu'il y a certaines personnes qui sont payées à vouloir venir essayer de salir l'image du Mali sur le volet international et donner l'impression que, en parenthèse, Assimi Goïta ne sait pas, voilà ce qu'il fait, ou bien même que Assimi Goïta n'a pas le contrôle de la situation au niveau du Mali. On a vu sur les réseaux sociaux, il y a, je peux même dire deux jours de cela, le vendredi passé, il y a une jeune dame qui a été invitée sur le stand au niveau de l'ONU en étant désignée comme étant une personne qui travaille pour la société civile au niveau de Bamako, au niveau de Mali. Et nous le savons très bien que toutes les choses qui sont faites aujourd'hui à l'encontre, toutes les choses qui sont faites aujourd'hui sur le volet politique du Mali est toujours des faits et gestes posés pour pouvoir discréditer quelque part tout l'effort, les faits et gestes, tout ce que le gouvernement malien est en train de poser comme acte aujourd'hui pour mener le Mali à sortir de la mer du bordel de la Chélie où le Mali était pendant combien de décennies. Cette dame a été envoyée au devant le stand de l'ONU. Elle a fait une soi-disant, témoignage, voilà, pour dire qu'au niveau du Mali aujourd'hui, qu'il y a une insécurité totale et que le gouvernement malien n'arrive pas à gérer, n'arrive pas à être au contrôle de ce qui se passe en ce moment et à cet instant T au niveau du Mali. Partagez, nous sommes déjà à près de 1300 personnes connectées sur le direct. Je vous prie de partager massivement le direct parce que nous sommes en guerre de communication. Ça, c'est déjà un. Et de deux, nous devons nous rassurer que les informations véhiculent sans crainte ni peur. Et nous devons nous rassurer surtout que les vidéos et les messages, tous les cassements de papeau que nous sommes en train de faire en ce moment et à cet instant T, concernant ce problème de l'ONU, le message puisse arriver jusqu'aux dirigeants de l'ONU et qu'ils savent qu'ils se mettent dans la tête que le peuple africain aujourd'hui est un peuple souverain, certes. Le peuple africain, le peuple du Mali est une jeunesse. Cette jeunesse est une jeunesse consciente. Cette jeunesse, elle n'est pas prête à accepter le bordel et la chélie, voilà, dans des années de cela. Et cette génération aujourd'hui veut se rassurer que d'abord, elle va faire cette politique autrement, mais elle va faire cette politique intelligemment. C'est en cela que la guerre, elle a essayé de activer ses réseaux. Elle a essayé de picoter un tout petit peu. Et elle a reçu des informations concernant cette jeune dame qu'elle va faire le cassement de papeau. Faites monter le mercure. Nous sommes déjà à 1400 personnes connectées sur mon direct. On va zailler un tout petit peu. Cette dame du nom de Aminata Diko, pour les personnes qui ne la connaissent pas, parce qu'elle n'est pas du tout connue au niveau du Mali, au niveau du Bamako, elle ne fait pas part de la société civile. Je vais faire revenir un tout petit peu. Voilà ce qu'elle a eu à dire devant le stand de l'ONU pour que les personnes qui me prennent en marche en ce moment et à cet instant T puissent quelque part mettre un visage sur ces dames, puissent quelque part comprendre, voilà ce que la guêpe est en train de expliquer. Je vais d'abord mettre le visage sur ces dames. Je ne vais même pas faire écouter. Voilà, la voici qui est là. Voilà. Qui est cette jeune dame? Qui est cette Aminata Diko? Qui pense qu'elle est arrivée aujourd'hui? Qui pense qu'elle peut déboussoler, elle peut quelque part piétiner l'évolution du Mali, qui pense que son témoignage qu'elle a eu à rendre au niveau de l'ONU est un témoignage qui va emmener les dirigeants de l'ONU à vouloir prendre des sanctions ou même à vouloir poser des faits, des pas et gestes pour pouvoir emmener le Mali encore à retourner dans cette instabilité. Je vais vous dire qui est cette dame. D'abord, cette dame, elle est vice-présidente d'une ONG qui n'est même pas vraiment reconnue au niveau du Mali qu'on appelle Kisal.
Elle est la fille d'une députée du nom de Fatoumata Diko, qui est ancienne députée de Douansa. Elle est aussi l'épouse des chefs de parti politique. Je vais taire le nom du chef de parti politique en ce moment et à cet instant T parce que il y a des cassements de papo qui vont ressortir sur l'époux de Aminata Diko. Je répète, elle est la fille d'un ancien député du nom de Fatoumata Diko, qui est député de Douansa. Elle est aussi l'épouse des chefs partis politiques. On va voir réellement qu'est-ce que cette dame est. Et pour les personnes qui ne savent pas, il y a certaines personnes qui sont rentrées dans mon inbox qui m'ont dit, avec des preuves, vraiment des personnes, des sources qui m'ont dit que elle a été la maîtresse de Jean Le Charretier. Elle a été la maîtresse de Jean Le Charretier, qui était l'ancien cuisinier du chef logistique de la MINUSMA. Est-ce que le son, il est bon? Aminata Diko, celle qui est partie devant l'ONU, allait vouloir salir l'image du Mali. Allait vouloir salir l'image du Mali sur le plan international en donnant l'impression qu'elle, elle détient. En donnant l'impression qu'elle est de la société civile. Je le dis haut et fort que elle n'est pas de la société civile. Elle a une ONG là-bas. Elle est vice-présidente d'une ONG du nom de Kissal. Et elle est la fille d'une ancienne députée, Fatoumata Diko. Et elle est aussi la maîtresse de Jean Le Charretier, qui est le cuisinier du chef logistique de la MINUSMA. Elle a travaillé dans le bar limite de Massina. Elle est responsable et l'ONG qu'elle dirige est aussi sponsorisée, payée, financée par la MINUSMA. Est-ce que le volume est bon? Et en plus de cela, bipez les autorités maliennes. Pour ceux qui ne le savent pas, elle est aussi agent double. Elle travaille pour la FU, je ne sais pas comment vous dites ça en français, mais FUNEPA, FUNEAP et MINUSMA. Elle est agent double de la MINUSMA. Elle est agent double pour la FUNEPA. Elle est aussi, elle a bénéficié d'une bourse, d'un truc de leadership au niveau des États-Unis ici. Et cette bourse a été acquise à travers quoi? À travers ses connexions qu'elle a au niveau de la MINUSMA. Je le dis, je le répète, et je mets quiconque au défi de mes informations. Je l'ai dit, la récréation est terminée. Je l'ai dit, le combat que nous sommes en train de mener en ce moment et à cet instant est un combat panafricain, est un combat pour mener l'Afrique à aller de l'avant, est un combat pour emmener l'Afrique à sortir de la merde, du bordel, de la chienne. C'est de ça qu'il s'agit. Si les États-Unis font part de ça, je n'en sais rien et j'en ai que dalle. Comment nous pouvons accepter d'aller prendre une dame qui n'a aucune connaissance des problèmes du Mali? Comment nous pouvons aller faire, et comment on appelle, un faux témoignage? Comment nous pouvons aller mentir devant les tribunes de l'ONU? Comment nous pouvons aller mentir sur les réalités du pays? Mais je le dis haut et fort que peu importe le témoignage de cette dame, peu importe le outcome de ce qu'elle a eu à poser comme axe au niveau de l'ONU, ça ne pourra jamais emmener le Mali à perdre. Ça ne pourra jamais emmener le Mali, qui est un pays aujourd'hui qui lutte, qui est un pays aujourd'hui qui est prêt à quoi? À tout ce qu'il faut pour que le Mali puisse sortir. Cette dame ne peut pas. Je l'ai déjà dit, Nikadroma, tu es trop petite pour ça. Tu es trop petite pour ça. Une personne qui a une ONG aujourd'hui qui a été financée, qui a été, comme on le dit, quelque part, sponsorisée par la MINUSMA. De vous à moi, vous pensez qu'elle va partir, aller dire quelque chose qui va dans le sens du Mali? Parce qu'aujourd'hui, nous savons très bien qu'il y a un problème entre la France,
Nous savons aujourd'hui qu'il y a un problème entre la MINUSMA et le Mali. Mais elle reçoit l'argent, elle reçoit l'aide, elle est financée, elle est protégée par la MINUSMA. Elle est même agent double de la MINUSMA. Vous pensez de vous à moi que cette dame, elle va aller demander, elle va aller s'asseoir, pardon, devant l'audience de l'ONU et aller soutenir le Mali? Non, elle allait faire ce qu'elle a eu à faire. La preuve en est que même le discours qu'elle a eu à lire devant devant l'ONU, nous le savons haut et fort que c'est un discours qui a été écrit par quelqu'un. C'est un discours qui a été, comment on l'appelle, donné. C'est pas un discours qui vient d'elle. Nous le savons haut et fort que elle a été payée pour jouer l'acte. Et nous le savons très fort que, et nous les Africains, aujourd'hui cette génération, nous savons que il y a eu plein de témoignages qui ont été faits au niveau de l'ONU où ces personnes ont été payées par la France. Ces personnes ont été payées par les pays européens, même souvent par les pays américains. C'est de ça qu'il s'agit. Et cette génération d'aujourd'hui est une génération consciente. Cette génération d'aujourd'hui est une génération qui n'est pas prête à se laisser burner. Nous allons faire cette politique autrement et nous allons faire cette politique intelligemment. Nous allons imposer le respect. Nous allons imposer le respect partout où nous allons partir. Et ce respect va commencer d'abord par le Mali. C'est ça qui est la vérité. La France n'a pas d'autre choix que de se rallier au Mali. La France n'a pas d'autre choix que d'aller dans le concept du Mali. La France n'a pas d'autre choix que d'aller dans la lignée du Mali. Parce qu'on le dit haut et fort que la charité, bien entendu, commence par soi-même. Si les Maliens ont décidé aujourd'hui de prendre leur destin en main, c'est parce qu'ils en ont marre. Le sous-sol du Mali est un sous-sol qui est riche. Nous avons du potentiel. Nous avons des personnes qui sont là, qui sont prêtes, comme la France, à vouloir piller les biens et les ressources minières ou matérielles de l'Afrique. Mais nous en avons marre. Est-ce que c'est une obligation d'avoir la MINUSMA au Mali ou bien d'avoir la MINUSMA au niveau du Burkina? Non, ce n'est pas une obligation. Les Maliens, les fils dignes du Mali disent qu'ils veulent prendre le destin du Mali en main. Le problème, il est où? Les Maliens disent qu'ils veulent mourir pour leur patrie. Le problème, il est où? Mais la France, ces gens de la MINUSMA, ils peuvent les faire retourner en France, aller, comment on appelle, travailler pour le gouvernement français. Si les Maliens disent qu'ils n'en ont que dalle de la MINUSMA, qu'ils sont fatigués de la MINUSMA, ils ne veulent plus l'armée française sur leur territoire. Mais est-ce que c'est une obligation? Allez chez vous! Allez chez vous! Si vous voyez qu'aujourd'hui la France est là, dans les fesses du Mali, c'est parce qu'ils ont un intérêt. Même pas, ils ont des intérêts. Si vous voyez aujourd'hui que la France ne veut pas lâcher du Mali, ils ne veulent pas se détacher du Burkina, c'est parce qu'ils ont des intérêts qui sont menacés. Sinon, si c'était le côté du terrorisme, le côté du djihadisme. Mais les Maliens disent qu'on ne veut pas, on n'a pas besoin de la France. Mais le problème, il est où? Taquez vos affaires et rentrez chez vous. Allez-y chez vous. Les Français, les Burkinabés disent qu'ils ne veulent plus de la France. Le problème, il est où? Mais allez, rentrez chez vous. Vous pouvez aller faire plein d'autres choses chez vous. Jusqu'à preuve du contraire. Quand vous parlez de djihadistes, là, quand vous parlez de terroristes, là, c'est qui en tue? Ce sont les Africains en tue. Ce sont les Maliens en tue. Maintenant, les mêmes Maliens disent que non, c'est bon. Laissez-nous, on va prendre notre destin en main. Nous-mêmes, on va sécuriser notre territoire. Votre problème, il est où? C'est forcé. C'est forcé. Ce n'est pas une obligation d'avoir la France chez soi. Si le vieux brigand, le marmailleur, le dictateur, le sanguinaire de Ouattara, il pense que lui, il est arrivé et que lui, là, il ne peut pas fonctionner sans la France. Les Maliens disent qu'eux, ils peuvent fonctionner et ils veulent fonctionner sans la France. Le Mali a atteint à son, comment on appelle, a eu son indépendance. Le Mali est un pays indépendant, est un pays souverain, qui a un président, même si c'est un président de la transition, mais il a un chef d'État, il a un président qui s'appelle Assimi Goïta. Que vous le vouliez ou pas, c'est Assimi Goïta qui est là. C'est lui qui est le chef suprême de l'armée et le chef, le patron du Mali. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Le Mali n'est pas une sous-préfecture de la France. Assimi Goïta n'est pas un sous-préfet de la France. Ah non,
j'insiste, je persiste et c'est clair comme de l'eau de roche. Assimi Goïta n'est pas un sous-préfet de la France. Allez dire à qui veut l'entendre, haut et fort, que le Mali vivra. Et le Mali va continuer à mener le combat de la démocratie, le combat de la cohésion, le combat de la liberté d'expression, le combat de la justice, le combat qui va emmener les frères maliens à sortir de ce bordel, de ce chiélis que la France a mené depuis des décennies. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vouloir aller prendre cette dame du nom de Fatmata Diko, que je le dis au fort, qui a une ONG qui travaille, qui est sponsorisée, qui est payée par la MINUSMA. Mais vous avez cru à quoi que cette information n'allait pas sortir? Vous avez cru que vous allez aller faire du boom devant l'ONU et que les gens allaient dire « Ah, mais c'est vrai ah, !» mais... Et elle n'est même pas de la société civile. Personne ne la reconnaît. Elle n'est même pas de la société civile. Et je vais emmener un message et fort à cette société civile au niveau du Mali. Prenez vos responsabilités. Cette dame est faire de la diffamation. Elle allait faire un genre de représentation au niveau de l'ONU en disant qu'elle est la responsable de la société civile. Et cette société civile du Mali doit sortir rapidement et faire un communiqué pour démentir que cette dame ne fait pas part de la société civile et même des poursuites judiciaires parce que elle a sali d'abord l'image de la société civile, c'est déjà un. De deux, elle allait salir l'image du Mali au niveau de l'ONU. Et de trois, elle allait diffamer sur des faits qui n'existent même pas au niveau du Bamako. Nous le savons, oui, et fort que oui, le fléau du terrorisme, c'est pas aujourd'hui que ça existe. C'est pas aujourd'hui que ça existe. Mais au fur et à mesure, ça ne fait que s'améliorer. Mais aller devant une assemblée, aller dire que les gens ne mangent pas, l'éducation, la santé. Mais comment un gouvernement de transition peut être focalisé sur l'éducation et la santé quand on a en ce moment et à cet instant des embargos qui ont été mis sur le Mali? Arrivé à un certain moment, il ne faut pas prendre que vous ne pensez pas que nous sommes des idiots. Ne pensez pas que nous sommes des idiots. Comment nous pouvons parler d'une éducation au niveau de, du Mali? Nous pouvons parler. Non, la santé, c'est pas ça. Non, les rues, les infrastructures, on ne peut pas parler de ça. Assimi Goïta est le président de la transition. Capiche? Transition. Il n'est pas le président de la République en foutant. Il est le président de la transition. Quand Assimi Goïta va devenir, Inch'Allah, le président, et comme on appelle, formel au niveau du Mali, vous pouvez maintenant vous plaindre s'il n'y a pas d'infrastructure. Vous pouvez maintenant vous plaindre sur le côté de la santé n'est pas comme on appelle l'évolution au côté de la santé, c'est pas ça. Vous pouvez vous plaindre s'il n'y a pas l'éducation, elle n'est pas adéquate. Mais pendant que le monsieur est en train de faire des démarches pour assurer d'abord la sécurité du territoire malien, qui est d'abord une priorité, parce que en ce moment et à cet instant, on lui met les bâtons dans les roues. Demain, c'est vous qui allez venir encore pour dire non, le Mali, on n'arrive pas à vaquer. Non, le Mali, on est en train de tuer les gens comment? On est en train de faire, pendant qu'il est en train de gérer le côté sécurité du Mali, vous nous parlez de l'éducation. Mais Assimi Goïta est arrivé quand? Il y a seulement que même pas 2 ans qu'Assimi Goïta est arrivé. En 2 années là, c'est quel hôpital vous voulez qu'il construise? En 2 ans là, c'est quelle, comment on appelle, école que vous voulez que le monsieur construise? En 2 ans, c'est quelle infrastructure que vous voulez? Pendant que nous avons eu combien de mois d'embargo sur le Mali? Les fonds du Mali ont été gelés. Il y a des milices qui n'ont même pas touché leur salaire, qui ont fait ça à l'académie, qui disent c'est pas grave, on va travailler gratuitement pour le Mali. Mais arrivé à certains moments, arrêtez de vous foutre des gens. Arrivé à certains moments, il faut donner à César ce qui appartient à César. Arrivé à certains moments, même si nous ne voulons pas, même si vous ne voulez pas d'Assimi Goïta, mais le travail qu'il est en train de faire, le travail qui est en train d'être qui est en train d'être effectué en ce moment et à cet instant,
Donnez-lui le crédit de ça. Donnez-lui du crédit. Vous avez vu dans quel pays? Quel pays où il y a embargo? Quel pays où il y a des problèmes? Quel pays où matin, midi, soir, il y a des problèmes de djihadistes? Il y a des problèmes de terroristes? Un pays qui est aujourd'hui qui est dans l'œil du cyclone. La France est sur eux. Tous les pays européens, certains sont sur le Mali. Mais c'est dans ça là que vous voulez qu'il aille construire des écoles? C'est dans ça que vous voulez qu'on aille faire des infrastructures? On va faire des infrastructures comment? Comment est-ce que nous pouvons faire des infrastructures? Arrivé un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter. Je le dis, aujourd'hui, nous sommes une génération consciente. Nous voulons faire cette politique autrement et nous voulons faire cette politique intelligemment. Nous savons faire le discernement. Nous savons peser. Nous savons faire la différence entre le vrai et le faux. La preuve en est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, je suis sûre et certaine que les personnes qui ont payé cette dame, aller s'asseoir devant, l'ONU, aller rendre ce témoignage qui n'a pas de tête ni de queue, ils ne pouvaient pas se rendre compte que nous allons avoir des informations sur elle. Ils ne pouvaient pas se rendre compte que nous allons aller jusqu'à dans son passé, savoir qu'elle était la maîtresse du cuisinier du chef logistique de la MINUSMA. Ils ne pouvaient pas se rendre compte que nous allons savoir qu'elle a eu une bourse pour une histoire de leadership au niveau des États-Unis, où elle est aux États-Unis en ce moment et à cet instant. Ils ne pouvaient même pas se rendre compte que nous allons savoir qu'elle est agent double de la MINUSMA et de la FUNEAP. Ils ne pouvaient même pas savoir que nous allons aller jusqu'au point de savoir qu'elle est l'épouse d'un chef de parti politique au niveau du Mali aujourd'hui. Est-ce que vous avez pensé? Mais ça, c'est le début du commencement. On n'a même pas encore commencé le cassement de papa. Ça, c'est entrer à la matière. On va dire, on va rentrer jusqu'en dans vos entrailles. Parce que tous les ennemis de l'Afrique, toutes les personnes qui vont aller à l'encontre du bien-être et de l'évolution du Mali sont considérées comme des ennemis. Toutes les personnes qui vont vouloir freiner l'évolution du Mali sont considérées comme des ennemis. Parce que nul ne peut regarder le Mali d'hier et le Mali d'aujourd'hui et vouloir retourner, vouloir aller encore dans les problèmes que nous avons connus il y a des années de cela, sur le temps des Ibeka. On est si peu de temps. Regardez le changement. On est si peu de temps. Regardez l'évolution au niveau du Mali. La dernière fois, j'ai dit dans mon direct, j'ai dit, je prie Dieu pour que la constitution malienne permette à Simi Goïta d'être un candidat aux élections présidentielles à venir. Parce que le monsieur, il a du potentiel. Et ce qui me plaît dans le gouvernement de Assimi, c'est qu'il est entouré de certaines personnes qui font leur travail. On n'a rien à leur reprocher. Ils sont restés et ils restent dans leur botte depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui. Regardez les faits et gestes qui sont déposés. Regardez en si peu de temps. Imaginez un mandat de 5 ans, 10 ans donné à ce gouvernement qui est en place en ce moment. Mais je dis, le Mali ne sera plus le Mali d'hier. Le Mali d'ici 10 ans, vous n'allez pas reconnaître le Mali. C'est de ça qu'il s'agit. On va écouter rapidement aussi cette dame qui ne sait pas qu'on peut avoir, comme on le dit, toutes les informations sur elle. La voici qui est là. Elle dit qu'elle est de la société civile. Mais je ne vais même pas montrer tout le truc qui est là. On va la regarder là. Depuis la création du Front de Libération du Massina, une organisation affiliée au mouvement djihadiste Ansar Dine, le centre du Mali est confronté à une multiplication des attaques. Et
Ce truc a été fait à des années de cela. Ou à raison d'être des complices. La voici qui est là. Les populations peules sont parfois victimes d'exactions. Pour mieux défendre sa communauté, Madame Andara Aminata Diko, vice-présidente de l'association Kisal et présidente du collectif des ressortissants de la jeunesse peule et ses partisans à Bamako, milite pour le respect des droits. Elle est présidente des ressortissants peuple peule au niveau de Bamako, vice-présidente de Kisa. Qu'est-ce que ça, ça a à voir avec la société civile? Mais je le dis que c'est très dangereux ce qu'elle a eu à dire parce que c'est une diffamation. Elle allait mentir. Elle fait croire qu'elle est présidente de la société civile. Comment une société civile et les responsables de la société civile ne sont pas connus par le ministre des Affaires étrangères, ne sont pas connus par le gouvernement? C'est parce qu'elle ne fait pas part. Souvent, les présidents, les responsables de la société civile sont connus par le gouvernement malien. C'est de ça qu'il s'agit. Voici le travail qu'elle fait ici. Elle allait mentir là. Voilà, voilà ce qu'elle fait ici. Peuls sont parfois victimes d'exactions. Pour mieux défendre sa communauté, Madame Aïdara Aminata Diko, vice-présidente de l'association Kisal et présidente du collectif des ressortissants de la jeunesse peule et ses partisans à Bamako, milite pour le respect des droits de ses nomades. La crise qui sévit dans le centre aujourd'hui fait très peur. Toi, tu te charges des nomades, des peuls au niveau de du Mali. Qu'est-ce que ça, ça a voir? J'ai que je me demande si elle a pété un plomb ou bien elle ne sait pas que c'est qu'elle est en train de faire la ONG qui n'est même pas reconnue. On ne sait même pas à Niabe-Rogma, on ne sait pas la queue, la tête de cette ONG-là qui est sponsorisée par la MINUSPA. On ne la comprend pas. Je ne sais pas si elle allait, elle s'est rendue compte même de ce qu'elle a eu, elle a eu à faire, de l'acte qu'elle a eu à poser. Parce que le gouvernement malien, je le dis, si vous ne prenez pas vos responsabilités et que vous ne cherchez pas à comprendre et à sanctionner ces gens d'horreur, je le dis haut et fort que elle n'a pas été la première personne, et je pense bien que ça fait la deuxième personne qui allait devant les stands au niveau des Nations Unies, aller rendre ces gens de témoignages. Il faut que vous preniez vos responsabilités. Il faut que vous rentrez et que vous compreniez réellement. Parce que nul ne peut se lever, aller revendiquer des choses aussi graves que ça, devant une nation, devant l'ONU. Heureusement que le ministre Abdoulaye Diop a fait du tic au tac. Et en cela, je lui dis mes félicitations et respect à lui. Parce que s'il n'avait rien dit ce jour-là, et qu'il avait laissé, et c'est après, sur les réseaux sociaux, que nous avons dit, ah voilà et tout, ah on ne la reconnaît pas, ça n'allait pas avoir le même impact que quand il a eu à faire du tic au tac. Elle a posé l'action et il y a eu la réaction du tic au tac. Devant cette même assemblée, le ministre a dévoilé qu'il ne la reconnaît pas. Il ne connaît pas cette organisation. Il ne se retrouve pas, le Mali ne se retrouve pas. Et pour moi, franchement, ça a été, comment on le dit, je ne sais pas comment je vais expliquer, mais Douaoum Nana, c'est comme ça que je peux expliquer. Douaoum Nana, parce que ni ministre Abdoulaye Diop tout m'a fait, on ne l'a fait. Quoi tout est mousson, l'on a tout y a tout, nous codons tout qu'elle en a fait. Il y a les gens de SO de quoi, la Russie, ils ne vont pas savoir. Les représentants de la Chine qui étaient là-bas, ils ne vont pas savoir. Tous les membres de l'ONU, là, ils n'allaient pas savoir que la fille-là, elle a menti. Et c'était le but recherché des personnes qui ont envoyé cette pimpérette-là au niveau de l'ONU. Leur but recherché, là, c'était de mentir. Et puis ça allait rester comme ça. Eux, là, ils s'en foutent. Même si après, sur les réseaux sociaux, nous nous rendons compte que ce qu'elle a dit là, ce n'est pas la vérité. Le dégât a été déjà fait. Les gens vont quitter l'ONU là, en se disant que le Mali là, ah voilà, dans le Mali là, voilà une dame de la société civile qui est venue. Non, parce qu'ils ont le contrôle, alors que ce n'est pas vrai. C'est la même, elle vit là-bas, elle a les réalités. Elle dit que les gens meurent, elle dit que les gens ne mangent pas. Elle dit comme ça, elle dit comme ça. Mais la réaction du ministre Abdoulaye Diop, Wallahi Bilaye Talaye, sa réaction, le fait qu'il a dénoncé devant cette même assemblée, je le dis haut et fort, ce que je suis en train de dire aujourd'hui là, peut-être que vous allez minimiser ça, mais je dis que la réaction du ministre Abdoulaye Diop a sauvé, a quelque part, a mis l'image du Mali au-dessus encore. Wallahi bilahi talahi. C'est que moi, j'étais assise là,
avant-hier, quand ça s'est passé, j'ai dit, mais oh my God. Mais si le ministre n'avait pas dit ça, mais les gens allaient penser que Assimi Goïta, il est en train de tuer même Zeko. C'est cette image qu'il veut démontrer. Que le Mali est un pays qui est un pays brigand de voyous. Où c'est la dictature, où on tue les gens, où il n'y a pas le contrôle. Non, faut pas. Il faut que la France, la MINUSMA, il faut que les pays qui sont là puissent être, toujours rester là sur le Mali. Parce que le Mali donne l'impression qu'ils ont le contrôle alors qu'ils n'ont pas le contrôle. Parce qu'il y a une soi-disant pimpérette qui allait mentir devant l'Assemblée de l'ONU. Mais la vigilance du ministre Diop, qui est à féliciter, qui est à féliciter, parce que l'acte qu'il a eu à poser devant cette même assemblée a démontré directement à ces personnes qui étaient là que il y a quelque chose qui cloche. Il y a une vérité quelque part qui n'est pas dite. Il faut que nous regardons au plus fin fond de la chose. Parce que un ministre des Affaires étrangères ne peut pas se lever devant l'Assemblée de l'ONU et dire qu'on ne connaît pas cette dame. On ne connaît pas cette organisation. On ne sait même pas de quoi elle est en train de parler. S'il n'y a pas une réalité quelque part. Et l'acte posé par le ministre a déchoué le plan que ces personnes ont eu à poser. Parce que eux là, tout ce qu'ils voulaient là, c'était de faire le dégât. Ils s'en foutent de ce qu'allait se dire après. Le dégât a été fait. Le monde entier a entendu. Même si nous sortons sur les réseaux sociaux par milliers de personnes et que nous faisons les directs, même ce genre de direct que je suis en train de faire aujourd'hui pour dénoncer, ça n'allait pas avoir le même effet que le tic au tac que le ministre a eu à faire devant l'ONU. Et ce tact, je le dis, est à féliciter. Et à féliciter. Et ça, ça démontre encore par A plus B que Assimi Goïta est entouré par des personnes qui savent ce qu'elles font. Il est entouré par des personnes vraiment qui sont, comme on le dit, qui connaissent leur travail. Des personnes vigilantes. Parce que c'était l'image du Mali qui était à risque. Et en ce moment, et à cet instant T, il n'y avait personne qui pouvait relever l'image du Mali. Si ce n'était pas le ministre des Affaires étrangères, M. Abdoulaye Diop. On lui donne du crédit pour ça. On lui donne du crédit pour ça. Même Assimi Goïta, il ne pouvait pas relever l'image de Abdoulaye Diop devant l'ONU le vendredi passé. Il n'y a pas quelqu'un qui pouvait venir relever l'image. Ni Mikalao le Béfo. Quand quelqu'un fait quelque chose de bon, il faut saluer. Quand quelqu'un fait quelque chose de bon, il faut applaudir. La seule et l'unique personne qui avait le contrôle de relever l'image du Mali à l'ONU était le ministre Abdoulaye Diop. Et il a fait impeccablement. Il n'y a rien à dire. Et aujourd'hui, nous venons rajouter. Nous voulons soutenir ce qui a été dit et nous faisons les cassements de papo en vous disant que cette dame, elle a été payée. Elle a été envoyée. Elle était en mission de venir déstabiliser l'image du Mali. On va écouter ici ce que le ministre a eu à dire. Aujourd'hui, on est arrivé à un point où... On va écouter. Je dois dire que nous n'en avons pas été informés. Nous ne connaissons pas cette personne. Nous ne connaissons pas l'organisation qu'elle représente, au nom de qui elle s'exprime devant votre conseil. Et naturellement, nous doutons de la représentativité et de la crédibilité de cette personne devant cette auguste assemblée. Monsieur le Président, il est important que les membres du conseil eux-mêmes se remémorent, qu'il est important de se rappeler que l'instrumentalisation de la société civile pour des agendas cachés, ne sert pas la cause de la société civile. Exactement. L'invitation de cette personne aux autorités maliennes pour que nous puissions travailler à protéger toutes les communautés, si c'était nécessaire de le rappeler. Le Mali est un pays ancien de tradition multiséculaire, un pays multiethnique, une mosaïque de population.
À aucun moment, le gouvernement ou même son armée ne peut s'engager dans une lutte contre une partie de notre propre population. Je pense que certains qui ont des agendas cachés, qui ont réussi ailleurs à opposer des communautés, exactement, à créer des guerres ethniques, ont tenté au Mali, ça n'a pas marché. L'armée malienne, une armée professionnelle multi-ethnique, va continuer à travailler pour défendre tous les Maliens, toutes les communautés maliennes, pour renforcer notre cohésion nationale. Je crois que ce dont le pays a besoin aujourd'hui, ce n'est pas des messages de division. Ce sont des messages qui unissent. Et le Mali continuera dans ce travail, dans le plein respect des droits de l'homme et dans le souci de pouvoir rassembler les Maliens. Nous souhaitons que dans le cadre du partenariat, le Conseil aussi puisse revisiter ses méthodes de travail pour renforcer la collaboration avec mon pays. Merci, Monsieur le Président. Bon, quelqu'un qui a fini de parler comme cela, là, de vous à moi. Les gens de l'ONU, là, ce sont pas des idiots. Le discours que le ministre Diop vient de faire, là, eux-mêmes, quand ils vont aller, ils vont se... Moi, mais la fille, là, finalement, là, on dit, elle vient d'où? Mais on ne la reconnaît pas. Eux-mêmes, ils vont chercher. Au contraire, même, on pouvait faire quand Malika. Ils voulaient même mettre la honte sur le Mali. Finalement, même, ça a été une bénédiction quelque part, parce que aujourd'hui, les représentants de l'ONU, là, ils vont aller chercher à comprendre. Mais pourquoi il a dit qu'il ne la connaît pas? Donc, finalement, cette femme, elle vient d'où? Qui l'a envoyée? Qu'est-ce qui se passe? Ces mères vont commencer à prêter attention maintenant à tout ce qui va se passer aux alentours, les réseaux sociaux. C'est pour ça que je vous dis, partagez massivement nos directs. Parce que c'est bon ça, ils regardent tout. C'est là qu'ils vont commencer à comprendre. Mais si le ministre n'avait pas déjà fait les belles, vous pensez qu'un représentant de l'ONU en Philippines ou bien quoi, va venir regarder le direct de la guerre pour comprendre que cette fille-là, elle a menti? Qu'est-ce qui prouve que moi, ce que je dis là, c'est la vérité? Mais le fait que c'est sorti de la bouche du ministre Abdoulaye Diop, devant eux-mêmes, du bé ou bé, comme les Ivoiriens disent, c'est un bé. Il a fait le bim. Maintenant, ça va commencer à remuer la tête des représentants de l'ONU. Ils vont commencer à se dire, mais attends, si on a pu envoyer une dame vouloir mentir, vouloir faire des montages, vouloir dire comme ci, comme ça, concernant le Mali, ça veut dire que le Mali, là, ils sont quand même bien. Ça veut dire qu'ils sont dans la vérité. Donc, en vouloir détruire l'image du Mali, là, mais, comme on le dit, c'est blessing in disguise. C'est pas comment je vais vous traduire ça, c'est en anglais. Allez-y, vous allez au Google, c'est ce que j'ai dit là. Souvent, là, ça sort comme ça sort. C'est un blessing in disguise. C'est-à-dire que c'est un cadeau, c'est-à-dire que c'est une bénédiction même qui a été cachée. Parce que, bien au contraire, vous êtes venu démontrer encore par A plus B que vous êtes prêt à mentir, à diffamer, à aller payer des personnes, vouloir faire de faux témoignages pour discréditer les Maliens. Et puis on vous a attrapé encore pour ajouter là-dessus. Adama peut faire ça. Ah! Je vous ai dit, nga simi goita doa odini, doa oba nyako, oba ko. Ni mouro mouroko ki bibla simi nyaka. Ni mouro mouroko ki ba simi tachia. Voilà, ala bi tachia, bi troma samo be tachia. La personne qui dit que tu vas venir vouloir détruire le Mali pendant que Assimi ne t'a rien fait, il ne te connaît ni d'Adam ni d'Ève, il est en train de poser des faits et gestes qui vont dans le bien-être, dans le bon sens de l'évolution du Mali. Toi, tu dis, tu vas venir parce que toi, là, on t'a enlevé du pain de la bouche, parce que toi, là, tu n'arrives plus à voler les biens et les ressources du Mali. Tu n'arrives plus à profiter de ça. Que toi, tu décides de vouloir venir et puis anéantir le Mali. Dieu va t'anéantir. Il va anéantir toute ta génération. Toute ta génération sera anéantie. Mali, le Mali, Maliba, le Mali est un pays béni. Le Mali est un pays où Dieu a la main. Parce que ce que les Maliens ont eu à traverser là, vous n'avez aucune idée. Ce que les Maliens ont eu à traverser, wallahi bilahi talai, si Dieu n'avait pas la main en dessous du Mali, aujourd'hui, là, on ne parlait même pas de ça. On ne parlait pas de ça. Aujourd'hui, le Mali est devenu une référence sur tous les plans. Aujourd'hui, dont le Mali est devenu une menace quelque part pour eux. La France, quelles ressources? En France, qu'est-ce qu'ils ont? C'est le vin avec le fromage. C'est tout ce qu'ils savent faire.
Le VF, Foma, c'est tout ce qu'ils ont. Ils n'ont pas d'or, ils n'ont pas de pétrole, ils n'ont pas d'uranium, ils n'ont rien. Où ils enlèvent ça où? C'est en France, c'est en Afrique. Aujourd'hui, c'est en Afrique. Donc, c'est normal pour eux de vouloir s'imposer. Ils ne veulent pas quitter parce que la France n'est rien sans les Africains. C'est ce que vous devez vous mettre dans la tête. La France n'est rien sans les Africains. Quand on leur arrache le pain, c'est comme un enfant qui est en train de... Voilà, un bébé qui a tété depuis son premier jour. Quand tu commences à le sévrer, là, il ne veut pas. Il pleure. Il ne veut pas, il veut téter. Souvent même, tu dors même, il vient même... Il rentre en dessous même de ton habit, mais il veut téter. C'est comme ça. Donc, c'est progressivement que la France va comprendre que le Mali d'aujourd'hui, là, le Burkina d'aujourd'hui, là, ce n'est plus le Mali d'hier. Aujourd'hui, c'est une nouvelle génération. Une génération consciente qui veut faire les choses autrement. Le Mali pour les Maliens et les Maliens d'abord. Sur ce, je vous claque plein de bisous. Nous sommes toujours à près de 2400 personnes connectées sur mon direct. Que la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala, le miséricordieux, le kun fayan kun, celui qui rend le possible impossible et celui qui rend l'impossible possible. Que sa grâce soit sur tout un chacun. Et que sa miséricorde soit sur tout un chacun. Je vous claque plein de bisous et on va ressortir. Je l'ai dit haut et fort que cette dame, elle est la fille de Fatoumata Diko, qui est une ancienne députée de Douansa, et épouse d'un chef parti politique. Quel chef de quel parti politique? Affaire à suivre. On va décortiquer. On va faire des cassements de papeau. On va éclairer la jeunesse, pas seulement malienne, mais la jeunesse africaine. Parce que ce qui se passe au niveau du Mali doit emmener toute personne, tout Africain conscient qui veut l'évolution de son pays à faire le discernement. Aujourd'hui, le Mali a envoyé le coup d'envoi et nous allons suivre dans cette lancée. Donc, je vous claque plein de bisous, c'était la guêpe. Je vous love depuis ma position. Partager massivement mes directs. Je l'ai dit haut et fort que nous sommes en guerre de communication et nous devons nous rassurer que les informations véhiculent toujours sans crainte et surtout sans